Yo tout le monde, c'est LastBarouleur, petit devblog du jour. C'est sorti il y a 5 minutes, tout frais le devblog. Déjà, il y a des petites nouvelles pour la bêta. Événement ombre maudite. Déconnexion, reconnexion, ça ne déséquipe plus le plastron. Le drop des pépites, c'est enlevé pour le niveau 1 à 20. Le drop des pépites, c'est doublé pour les maps 21 à 40, 41 à 60, c'est 3. Et ensuite, ça continue de monter. Donc c'est cool. Le taux d'obtention des globes s'est augmenté. Je n'avais droppé qu'un seul sur 23 donjons, c'était technique. Ça, on s'en fout. Et là, du coup, faut qu'on lit ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, à skip le Gobus. Le Gobus, maintenant, en fait, c'est un monstre vraiment très très simple. Avant, c'est un monstre, tu restes en ligne avec lui. Il explose et t'as gagné le combat. C'était la technique pour XP. Maintenant, le mob n'existe plus. Maintenant, c'est juste une invocation. Ok. Le PRQ, montre exclusif au donjon, devient donc un monstre présent à l'extérieur du donjon. Oh, vendez vos ressources de PRQ, les refs. Hein. Ressources de PRQ, c'est une très bonne ressource pour les items pas de greffe, si je dis pas de conneries. Le prix va diminuer. Le prix va forcément diminuer. On peut les farmer en zone. Il y a des mecs qui farment la zone. Vendez vos ressources de PRQ maintenant. Gobus, c'est un énorme nerf. Hein. Ça fait des années que des gens utilisent ça. Sapeur, PRQ, maraudeur peuvent également apparaître dans la sous-zone pleine de sakai. Les monstres présents dans les différentes salles du donjon sont modifiés. Les ressources associées aux monstres et les recettes en dépendant ont également été modifiées. Éternel conflit. Les états sont renommés. Ok, on s'en fout. Pouac. Ah oui, oh là là, il y a l'île de Pouac qui sort en même temps que l'event ombre. Les Pouac, les œufs de Pouac, là, les œufs de Pouac, c'est trop chiant. Mais je crois qu'on va essayer de les dégager pour l'event ombre, sinon ça va être trop chiant. Non, non, ça c'est sur all serveurs, les refs. C'est pas uniquement sur ombre, ça c'est sur tous les serveurs. Le tout début, c'était juste pour l'event ombre, mais tout ça, c'est pour tous les serveurs. Donc, Pouac, succès spécial, autant pour moi. Le succès donne désormais bien les ressources, ok, on s'en fout. Quelques modifications sur le steamer, je vous mettrai un lien du devblog parce que... parce que je suis pas un expert sur le steamer. Le fameux spécial. Ah ouais, ça va me faire. Hein. Ça va me faire comme ça. Donc les trucs du steamer, on s'en fout. Sacrieur, berserk. Oula. Libation n'applique plus son malus. Ok. Crain. Ouais, bah ça c'était sûr et certain. Ah, c'est tout. Ah merde, je pensais qu'il allait avoir plus de choses. Ok, œil pour œil du crack était à soin sur 25%. Maintenant c'est que 20%. Mais ça reste complètement abusé pour un sort porté modifiable. Pour 2 PA, se régène 20% de tout ce que tu tapes sur le mec sur qui tu le mets. Ça, pour la team Kra, les refs, ou même pour le Kra PVP, c'est une aberration de fou. Hein. C'est une dinguerie. Hein. L'attirance est retirée pour le moment. Ok. Ok, c'est tout, en fait. Quelques gros changements sur le steamer. Mais ça, quand même, assez technique. Alors, attends. Afin de garantir une relative acuité entre... Ah, c'est quand même par rapport à l'event ombre maudite. N'est pas aligné avec le niveau de la zone 180, ok. Ça va être sur tous les serveurs, mais c'est... ok, d'accord. C'était cool. En vrai, c'est bien qu'il nerf, hein. En vrai, c'est bien qu'il nerf, hein. C'est vraiment un truc... c'était comme à l'époque les casse cargo, tu vois. C'est comme à l'époque des casse cargo, bah, tout le monde allait au casse cargo à chaque rush parce que c'était trop fort, tu vois. Mais là, ok. Le soin, c'est pour tous les alliés, c'est pour tous les alliés, hein. Il me semble. Il me semble que c'est pour tous les alliés. J'ai pas été testé, mais il me semble que oui. Après, s'il nerf le Gobus, en soi, il y a beaucoup d'autres mobs à nerfer. Hein. Parce que tu prends un Kra flèche de recul, tu peux farmer le passe-partout, tu peux farmer le Lévitrof. T'as juste à te mettre tout autour du Lévitrof, les mobs ils passent tour. Pour pouvoir laisser la zone taquelée, c'est pourquoi. Mais en vrai, non, c'est bien, hein. Il modifie une zone un peu ancienne comme ça. En vrai, moi ça me va. Hein. Ça me va de fou. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça, du coup, c'est juste invulnérabilité en mêlée. Ok, ouais, on s'en fout. Ok, je pensais qu'il y avait un peu plus de choses. Ah, attends, il y avait eu un petit truc sur hier. Ok, événement, ombre maudite. Les messages du canal événement sont correctement affichés. Ok. Divers, dans une interface d'anomalie temporelle, le donjon du crâne amogéen bien affiché au bon niveau. Une seconde. Optimisation des performances sur les cartes avec beaucoup de jokers. Ah, il y a la... Ok, d'accord, il y a l'île de Pouac qui a été activée sur la bêta. Si vous voulez tester les donjons, les refs. Si vous voulez aller tester les donjons, pourquoi pas. Et les autres modifs, je pense qu'on les avait déjà vus. Ah non, hier, putain, mais il y a eu là les modifs. Ah, ça fait mal par contre. Événement ombre maudite. L'altération date désormais bien 50 000 pods. C'était bugué sur la bêta à la place de 50 000, on avait 100 000. Hélas pour l'event. On va rester à 50 000 pods. Donc pour les persos banques et tout, c'est un peu chiant, mais ils peuvent pas mettre plus, sinon ça va être full bug. Course au donjon. Les succès suivants sont bien liés au bon donjon. Corruption, guerre. Ok, il y avait eu des petits bugs. La restriction d'accès aux enclos a été... Ok. Les succès pionniers relatifs au globe de lumière se débloquent correctement. Ok, d'accord, donc les enclos sont bel et bien dégagés. D'accord, d'accord, après steamer, on s'en fiche. Ah, il y avait eu encore des changements. Œil pour œil,
Seul l'état n'est pas dissipable. Représailles. Portée modifiable. Non. Oui. Tir éloigné. Ok. Moins d'intervalle de relance. Durée des effets. 3 tours. Oh. Bonus de portée. Ok, ça augmente le bonus de portée. Attends, mais ça donne... Mais tir éloigné, ça donne pas 3 ou 4 de PO. Ça donne plus tir éloigné. Je suis fou. Ah oui, au premier rang. Ah oui, ça a 3 rangs vu que c'est un sort que t'as dès le début. Oui, ok, ok. Ouais, je suis juste bête un peu. Et tir perçant, ligne de vue non vie. Oh, tir perçant qui passe en ligne de vue maintenant. Ok, petit nerf sur le crâne. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a autre chose que j'avais pas vu ou... non, ça je crois qu'on avait déjà vu. Le 15. Ouais, ça on avait déjà vu. C'était là où le crâne s'est fait vilainement up. Ok, ok, donc ce qu'il faut retenir, quelques petites optimisations sur l'event ombre. Augmentation du taux de drop des pépites, du taux de drop des globes de lumière. Donc les bonbons que t'as pour un combat qui peut donner des stats entre 50, 100, 150, 200, qui peut donner 1 PA, 2, 1 PA, 1 PM. Ça peut donner 2 PA, ça peut donner 2 PM, ça peut donner 5% de régène pour chaque coup critique infligé. Les gros globes de lumière vont être vraiment sympathiques. On va pouvoir vraiment tourner des gameplays uniquement autour des globes. Ça va être stylé. Et des petites modifications à droite à gauche, mais rien d'impactant. Ouais, non, rien d'impactant. Je pensais avoir plus à graille sur le devblog. J'avoue, un peu déçu. Un peu déçu. La mage, ça sort le 26. Le 26 de ce mois-ci. Donc, dans 6 jours, dans une semaine, ça sort. Bah, attends, le 26, c'est mardi, de toute façon. Ouais, ça sort mardi. Et l'event 11, ça sort le 28, donc jeudi. Voilà. Voilà, les refs, je vous tiens à l'affût. Si jamais vous avez des petites questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, ça régale. Ouais, mon gars, c'est le dernier des Warriors. J'espère que ça va. Juste 2 secondes, mon ref, je te prends une minute, pas plus. J'allais dire 2, mais je vais pas abuser. Une minute, pas plus. Qu'est-ce que c'est? Point exclamation, Oli, tu connais. Petit partenariat, ça fait 2 ans, c'est banger. Qu'est-ce que c'est? Boisson énergisante sans sucre avec des bonnes vitamines. Ice tea sans sucre. Boisson pour sport. Si des mecs qui font du vélo, bam, t'as une petite chrome. Tu bois ta petite boisson, t'es bien. Je te présente. Tu connais déjà, t'as vu 1 milliard de pubs sur ma chaîne YouTube. Fais pas genre, tu connais pas. Si tu veux tester, qu'est-ce qui se passe? Pack découvert. 14 échantillons. Tu testes 14 saveurs. Tu vois ce que t'aimes bien. Tu peux tester les goûts énergisants. Tu peux tester les ice tea, tu peux tester les boissons pour sport. Ensuite, si t'es un mec chaud, tu veux directement un gros pot comme tout ce que j'ai derrière moi. Il y a un tout nouveau qui est sorti, c'est celui-là, mon ref. Orange, citron, noix de coco. Je le jure que c'est banger. Ensuite, baie sauvage, pareil, un des derniers goûts qui est sorti. Tout est là, tout est testé. Et moi, celui-là, il est lourd. Celui-là, il n'y a plus rien, il est vide. Si tu veux, mon ref, t'as un code moins 5 euros sur ta première commande et un code moins 10% pour toutes tes prochaines commandes. Ça régale. Vous savez très bien, ça me soutient. C'est bon. Si t'as gros boisson énergisante de base, boisson sucrée, tu passes sur ça, c'est 10 fois meilleur, 10 fois moins cher pour 34 balles. Avec mon code, ça t'en vient 34 balles. Ça te dure entre 2 à 4 mois. Sachant qu'un shaker d'un demi-litre, qui ressemble à peu près à ça, ils sont beaux gosses en plus, les shakers, ça te revient à 60 centimes. Et en plus, ils sont solides. Get ça. Il est même revenu à moi. C'est des shakers magiques. Ils reviennent à vous. Pas une égratignure. Rien. Banger les refs. Commandez.